Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous l'avais promis, un petit tuto en tricot pour faire le point matelas. Donc c'est le point invisible pour vous coudre vos différentes pièces de tricot. Voilà, bon, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce point, hein, mais d'autres ne connaissent peut-être pas. Donc, je l'avais fait quand j'ai fait mon pull. Donc, on le voyait un peu dans la vidéo, mais bon, on ne voyait pas très bien. Donc, j'avais dit que je ferais un tuto plus en gros plan pour que vous le voyez. Alors, attention. Vous avez vu passer un gros chat. Fifi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait là? Attends. Je me fais des bêtises sur l'ordi, hein, parce qu'elle est carrément passée sur l'ordi. Non, non, tu me fais des bêtises sur l'ordi, ma mémère. Voilà. Non, pas sur l'ordi. Maman, elle veut pas sur l'ordi. Bon, elle a décidé, hein, quand elle. Voilà. Donc voilà, je vous ai tricoté deux petits échantillons, voilà, pour vous montrer, oh, elle me met ses poils partout, pour vous montrer comment on fait ce point. Je vais utiliser un fil de laine d'une autre couleur pour que l'on voit mieux, mon aiguille à tricot, voilà. Hein, ou à canevas, hein, si vous avez à canevas, et puis ma paire de ciseaux. Voilà, bah c'est tout ce que j'aurais besoin. Alors, si vous voulez vous entraîner à faire ce point, par exemple, avant de l'utiliser sur un de vos ouvrages, quand on fait toujours des échantillons, on ne sait pas quoi en faire, à part les garder pour en faire des coussins. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez garder vos échantillons, ben, pour vous entraîner justement pour faire certaines coutures dessus. Voilà, donc ne jetez pas vos échantillons. Sinon, comme je viens de dire, les échantillons peuvent très bien servir. Après, vous les réunissez tous ensemble et ben, vous en faites une petite housse de coussin, des choses comme ça. C'est pas perdu. Alors, on va changer le téléphone de place pour être face bureau. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. À tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai mis deux échantillons. Alors là, ça va être avec du jersey. On va donc vous allez avoir ici votre première maille. C'est votre maille lisière, hein, d'accord? Donc votre maille lisière, la voilà, ici. Ensuite, vous aurez votre deuxième point. Il sera ici. Voilà. Votre deuxième point est là. Et entre deux, alors, je vais tirer pour vous montrer. Vous voyez, entre deux, vous avez. Vous voyez les petits traits horizontaux. C'est de ça qu'on va se servir pour faire le point matelas. Voilà, vous voyez ces petites mailles-là. Voilà, je vous montre. Et pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc, on a notre premier point, notre deuxième. Alors, notre maille lisière qui est là et notre deuxième point qui est là. Donc, on va prendre notre maille, oh, pardon, qui sera ici. Vous allez mieux voir avec l'aiguille. Donc, je vais prendre un fil pour le faire trop long. On va enfiler son aiguille.
On fait pas de nœud hein, à son fil. Donc, vous allez prendre d'abord votre premier côté. Donc, votre maille lisière. Votre maille lisière est ici. Votre premier point est ici. Et donc, on va aller chercher. Alors, je. Hop. Ah. Mais moi, je cherche. On va aller chercher notre premier. Voilà, le voilà. Ici, voyez, notre premier trait, maille horizontale. Et on va passer comme ceci. Trop fort, on laisse une petite queue hein, pas de souci. Maintenant on va aller prendre son deuxième morceau et on va faire pareil. Voilà, ici. Je vais vous voilà comme ça vous verrez mieux. Maintenant on va revenir à droite et on prend la deuxième horizontale. On revient sur la gauche. On reprend celle au-dessus, voilà, ici. De la gauche, on va partir vers la droite. On va reprendre toujours, oh pardon. On va reprendre celle au-dessus toujours. On prend toujours ces mailles horizontales. On repart sur la gauche. Voilà. On repart vers la droite. On reprend toujours. Je vous remontre. Hein. Voyez. La maille horizontale. Toujours celle qui est au-dessus. Hein. On prend toutes les mailles une par une. Ici, pareil. Donc, on va prendre celle-ci. Bon là c'est un peu compliqué avec mes deux bouts de tricot parce qu'ils sont pas repassés. Mais on reprend là et ainsi de suite hein, jusqu'à la fin de votre couture. Alors entre temps on peut resserrer. Là, on va refaire une maille quand même. Et on va tirer. Voilà. Là, ça, on voit un petit peu, c'est parce que c'est une mèche du. Mais voilà, votre main, elle est invisible. Bon, là, c'est juste un fil hein, de. C'est pas le fil en lui-même. Voyez, et ça vous refait
comme si vous aviez une ligne tricotée. Vous voyez, comme là, par exemple. Là, ça vous refait une ligne tricotée. Et derrière, voilà ce que ça vous fait. Donc, on va voir le fil là, bien sûr. Mais ici, vous ne le voyez pas. Et sur le dessus, vous ne le voyez pas non plus. Allez, on refait 1, 2, 3 points pour bien vous remontrer. Alors là, on était arrivé à gauche. Donc, on reprend à droite. Et on était ici. On retourne à gauche. Non, je suis hors cadre, excusez-moi. Et c'est comme ça jusqu'en haut, jusqu'à ce que votre couture soit finie. Bon, c'est un peu long, je vous l'accorde, mais au moins c'est invisible et ça ne fait pas de gros bourrelets sur le dessus. Allez, on en fait encore un ou deux. Encore un petit à droite et on va serrer son point. Vous voyez. Voilà. Et je serre mon point. Voilà. Et on ne voit rien. Vous voyez, mon point est complètement invisible. Et comme je vous disais, vous voyez, c'est comme si... Non, je vais prendre avec, parce que j'ai gros doigts. Ici, voilà. C'est comme si j'avais une ligne tricotée, comme ici. Vous voyez. La ligne que j'ai cousue, on dirait qu'elle a été tricotée. Voilà. Et derrière, voilà ce que ça vous fait. Ça vous fait comme une couture de vêtements, tout simplement. Donc voilà. Alors, pour arrêter votre fil quand vous avez terminé, puisque là vous avez un fil qui continue, on va se mettre sur l'envers. On va enfiler notre petit fil qui reste. Voilà. Et là, donc le fil ne sera pas rouge, hein, bien sûr. Là, on va faire un premier point comme ceci. Et après, on va, comme on ne fait pas de nœud, hein, vous allez passer votre fil allez, à travers les mailles, hein, comme ceci. Voilà. Vous voyez?
Donc là, le fil ne se verra plus hein, normalement, même très certainement, puisque ce sera la même couleur de votre tricot. Et il ne vous restera plus qu'à le couper. Donc, à ras, ici. Voilà. Et là, plus rien ne bougera. Voilà. Bon, là, je me suis pas mis bien, voyez. J'ai fait un petit décalage, mais bon, voilà, vous comprenez que normalement, voilà, on sera bien droit, voilà. Et ce fil-là, pareil. Alors, exemple, voyez là, bon, ma couture n'est pas terminée, j'ai pas fini ma couture, il me reste que ce petit morceau de fil. Donc vous allez faire pareil, vous allez refaire passer. Alors je vais vous montrer. Donc vous allez faire passer le fil, voilà, sur à l'intérieur. Et vous allez faire pareil. Vous allez passer votre fil plusieurs fois, comme ça, dans les mailles. Bon, là, c'est petit, hein, donc. Mais vous pourrez le faire passer un peu plus long si vous le souhaitez. Et vous allez couper. À ras, voilà, et vous allez pouvoir reprendre un fil. Alors, on va en reprendre un. Et on va recommencer en commençant par le dessus. Donc on va voir où est-ce qu'on était arrivé. Donc on était là. Voilà. Je vais laisser mon fil pendre. C'est pas un problème. Et je recommence. Sur le côté gauche. Comme tout à l'heure. Voilà, ainsi de suite. On va aller en vitesse jusqu'en haut, puisqu'il n'y a plus beaucoup, pour que je puisse vous montrer la finition. Bon, après, quand on a la main, ça va un peu plus vite, hein, voyez. Ce qu'il faut, c'est rester toujours sur la même ligne, hein. Ne pas dévier. On arrive presque en haut. Alors, comme j'ai un petit décalage, ça va être le dernier point.
Bon, là, il reste un petit peu en haut, mais c'est pas bien tricoté. Donc voilà, je suis en haut, je peux enlever mon aiguille. Et je vais fermer ma couture. Voilà. Donc elle est fermée, voyez. Donc ce fil-là, on va le rentrer, bien sûr. On ne le coupe pas par-dessus, hein, surtout pas. Hein. Donc, on va repartir à l'intérieur. On fait attention de passer dans le même trou, hein, pour pas qu'on le voie. Voilà, et on va passer notre fil comme tout à l'heure, plusieurs fois. On coupe. Et idem pour celui-là. Ah ben là, ça va du premier coup, vous voyez. Donc on va retourner. Bon. Bon, là, mon haut est mal fait, hein, donc on n'en tient pas trop compte. Et on va faire pareil. On va passer le fil dans les points. Et tous les fils qui dépassent, hein, comme ça, hop. On fait toujours la même technique, hein, pour rentrer ces points. Et voilà. Bon, là, je vous dis, c'est parce que c'est mal fait, mais c'est pas un problème. Donc, vous voyez, on ne voit rien. Et tous vos fils sont rentrés. Et votre couture est plate. Vous avez juste ici derrière. Voilà. Ça fait comme sur nos vêtements. Hein. C'est tout. Voilà. Et ici, on n'a pas de boursouflure, comme moi je dis. Voilà. Et vous avez rentré tous vos fils. Donc voilà. J'essaierai de temps en temps de vous faire des petits tutos comme ça, si ça vous intéresse. Pareil, dites-le moi, hein, si ça vous intéresse. J'essaierai d'en faire de temps en temps. Et là, bon, moi, mes petits échantillons comme ça, je les garderai de toute façon. Comme ça, je pourrai vous montrer d'autres choses de temps en temps. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes un bon tricot et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.